Top Model International 2020 et le 66 Moons Luca. Dimanche passé au Lido à Paris, jour de consécration pour Luca Moons, décoré par Adriana Carambeu en personne, il remporte le concours de Top Model International. Quelques jours plus tard, à peine rentré dans son quartier à Jette, il a du mal à réaliser. Quand j'ai vu par exemple juste Adriana Carambeu, qui est pour moi l'exemple type, moi j'étais fort impressionné. Le concours réunit 150 jeunes mannequins issus de 14 pays différents. Il y a 6 mois de préparation avant la grande finale, tous les candidats rêvent d'une carrière internationale. Lucas, lui, ancien footballeur du White Star, estime être un ovni dans ce concours. Pour vous dire, je ne m'attendais tellement pas que j'ai pris mes vêtements pour 2 jours. Je savais que le gagnant allait rester 5 jours, mais pour moi, j'avais aucune chance. Donc, j'ai pris vraiment le strict nécessaire. Et donc voilà, quand j'étais là-bas, j'avais des soucis parce que j'avais pas assez de vêtements. Juste après sa victoire, Lucas a déjà pu défiler et découvrir son nouveau milieu. Il espère poursuivre une carrière. J'ai reçu des offres d'agences, de plusieurs agences, que ce soit ici ou bien sur Paris. Et donc voilà, je préfère vraiment bien réfléchir et pas me précipiter. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Lucas prendra sa décision dans quelques jours. En attendant, il décompresse et redescend sur Terre après avoir décroché une première étoile dans son parcours de mannequin.